Cela fait 7 mois que cette maman ne dort plus. Depuis que sa fille Morgane, 15 ans, est en fugue. Souvent la nuit, elle n'en peut plus et part à sa recherche. Est-ce qu'elle est toujours en vie en fait, c'est ça, voilà. Est-ce qu'elle est toujours en vie? C'est la première question que je me pose dès que je me lève le matin. Et c'est la dernière pensée que j'ai avant de fermer les yeux et de m'endormir. Pour retrouver sa fille, Lilou a fait paraître des avis de recherche dans la presse, sans succès. Elle en est sûre, Morgane se cache quelque part dans cette petite ville. Ce n'est pas sa première fugue, et c'est ici qu'on l'a toujours retrouvée. Donc là, on est sur l'axe principal, où elle a un réseau assez important d'amis ici. Elle a même été interceptée la semaine dernière chez quelqu'un dans cette rue. Il y avait une jaune avec les cheveux longs, là. Ça pourrait être Morgane ? C'est possible. À chaque chevelure brune, son cœur s'accélère. Non, c'est pas ma fille. Je désespère pas de la croiser. Donc là, il y a un camp de gitans. Ça peut être un endroit propice. Putain, je sais pas si c'est pas ma gamine. Encore une chevelure brune. Encore une déception. Puis après, c'est... Voilà, ça retombe parce que c'est pas elle, quoi. Donc c'est reparti. Jusqu'à je sais pas quelle heure. Tout a commencé le jour où Lilou a demandé l'aide des services sociaux. Elle ne sait plus comment gérer sa fille adolescente. Les conflits sont permanents. Elle n'a aucune autorité. Pour apaiser leur relation, les services sociaux proposent d'éloigner Morgane quelque temps. Elle est placée dans un foyer, mais c'est encore pire. Elle a été placée le 30 mars et depuis le 14 mai, elle est en fugue. Les gamins, ils rentrent et sortent, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils n'ont pas le droit de les contraindre à rester physiquement. Donc le gamin, il veut s'en aller, il le laisse partir. Enfin, ils essayent peut-être de lui parler, mais le gamin, il s'en va quand même, quoi. Donc ma fille, c'est ce qu'elle fait. Elle rentre, elle prend une douche et elle se casse. Il est 22h. Lilou continue de faire le tour des endroits où sa fille a été aperçue. La dernière fois qu'elle est montée là. Où ça ? Ici. Mais c'est surtout cette rue qui l'intéresse. Elle y passe plusieurs fois. Un ami de Morgane habite dans le coin. Les gendarmes l'ont déjà retrouvé chez lui. Lilou est en alerte. Donc là, une voiture stationnée qui n'était pas là tout à l'heure. Donc je vais positionner là 3-4 minutes en éteignant les feux. C'est pas à la police de faire ce travail ? Ben, ça devrait être, normalement, mais... Je peux pas rester sans rien faire. Donc il faut passer à l'action. Hein. Après un quart d'heure de planque, Lilou va vérifier si les jeunes traînent dans le quartier. Elle n'est pas attachée, la moto. Donc il y a un jeune pas loin. Depuis 7 mois, Morgane ne va plus en cours. Elle est complètement déscolarisée. Donc en fait, je fais toujours les petits recoins comme ça. La journée pour échapper aux gendarmes et à sa mère... Elle se cache chez des copains. Le soir, elle sort et traîne dans les squares. Elle y côtoie n'importe qui. La jeune fille prend des risques. Il y a peu de temps, elle a été témoin d'une bagarre qui a très mal tourné. On m'appelle à minuit pour m'annoncer que ma fille, ça faisait plusieurs heures qu'elle était entendue à la gendarmerie parce qu'elle avait été témoin du meurtre de cette personne qui l'avait hébergée pendant quelques temps. Donc ouais, elle ne fréquente pas des gens... Enfin voilà, c'est pas normal. Elle est en danger, c'est clair qu'elle est en danger. Comment une gamine de 14 ans peut voir ça? Donc voilà, je cherche. Faut que je la trouve. Je peux pas la laisser dans la rue. C'est pas possible. De retour chez elle, après quelques heures de sommeil, Lilou doit continuer à vivre malgré tout. T'as mal au pied? Non. Attends, déjà, on va... Célibataire, mère d'une autre petite fille, elle doit assurer le quotidien et garder le sourire. Il y a des nœuds. Hein. Avec Flavie, 10 ans, Lilou n'a jamais eu de problème. Mais avec son aînée, Morgane, la vie a toujours été très compliquée. Depuis qu'elle est toute petite, la jeune fille refuse l'autorité et se rebelle.
Lilou l'a fait suivre par des psychologues, mais rien n'y fait. Une fois qu'elle a passé le collège, ça a été fini. J'ai ma fille, c'était plus ma fille. Enfin, c'est ma fille, mais c'était plus la même. Sitôt rentrée, qu'elle franchissait la porte, j'avais droit à des agressions verbales. Elle balançait son cartable, hein. C'est pas je le posais, c'est « Putain, j'en ai marre de ce collège !» Quand elle avait des élans de colère, Morgane, elle secouait sa petite sœur. Moi, je pouvais pas laisser faire ça, donc bien sûr, je m'opposais à ça, donc je prenais la défense de la petite, donc elle se sentait rejetée, alors qu'en fait, c'était loin de la rejeter. C'était simplement « Tu peux pas faire du mal à ta sœur sous prétexte que toi, tu n'es pas bien. » Complètement dépassée par l'attitude de sa fille, ne sachant plus quoi faire, elle demande une aide éducative au conseil général. Pendant plusieurs mois, des éducateurs rendent visite à Morgane à la maison. Les tensions se calment un peu, jusqu'au jour où tout explose. Un jour, en faisant sa chambre, parce que bon, les ados, vous connaissez les ados, c'est toujours le bazar. Ben voilà, j'arrive avec l'aspirateur, je commence à ramasser un petit peu les affaires. Et là, d'un coup, je tombe sur un morceau de cannabis, posé en évidence, voilà, pas caché, hein, avec papier à rouler. J'ai appelé l'éducateur et il m'a dit votre devoir de maman c'est de l'emmener de ramener le cannabis à la gendarmerie et ils décideront s'ils entendent Morgane ou pas. Donc c'est chose qu'on a fait le soir même. Pour Morgane, sa mère est devenue une balance et l'a trahie. Les disputes deviennent de plus en plus violentes. Le dialogue est impossible. Les éducateurs proposent alors un éloignement de 15 jours en foyer. Mais la mesure va se transformer en placement permanent. Et on m'a dit ça va partir en placement. Donc c'est parti en placement sans passer devant un juge. Voilà, ils ont décrété qu'on m'enlevait mon enfant parce que je l'ai emmené à la gendarmerie, à leur demande. En fait, voilà, l'histoire c'est ça. Faites et voilà. Et donc, le 4 mai, on a eu une audience. Et la juge a statué sur un placement d'un an au foyer. 10 jours après, Morgane est partie en fugue. Et ça fait 7 mois que ça dure. Voilà. La relation entre la mère et la fille est totalement cassée. Mais Lilou ne renonce pas. Je change régulièrement les draps de la chambre. Quoi qu'elle arrive. Enfin, j'aimerais. Aujourd'hui, cette maman essaye de préserver son autre fille du drame qui les frappe. Mais quoi qu'elle fasse, elle a la tête ailleurs. J'essaye malgré tout de faire comme avant, mais c'est pas facile de concilier tout, quoi. Parce que j'ai ma vie de maman, mais j'ai aussi ma vie de détective, si je peux dire comme ça. Donc c'est pas facile. Surtout quand je rentre après une journée de recherche, il faut que je vide mon cerveau pour revenir à la normale, on va dire. Mais mon esprit est toujours occupé par tout ça, quoi. À ce soir. Bonne journée. Et tu manges, hein? Ok. À ce soir. Travaille bien. Demain, Lilou va repartir à la recherche de sa fille. Elle va faire le tour des commerçants de la ville avec une photo de Morgane. La fille de Lilou, Morgane, en fugue depuis plusieurs semaines, n'a toujours pas donné de nouvelles. Premier réflexe de la journée pour cette maman inquiète, allumer l'ordinateur et voir si sa fille lui a posté un message sur Internet. C'est le seul lien qui lui reste avec elle. C'est la seule façon de pouvoir voir ma fille, hein, malheureusement. Grâce à Internet, Lilou a aussi accès à des informations importantes sur sa fille. Elle découvre ses nouveaux amis et les derniers endroits où elle est passée. Depuis quelque temps, la jeune fille ne laisse plus de messages à sa mère. Elle ne me disait pas où elle se trouvait forcément, mais elle me disait « T'inquiète pas, ça va maman, je sais que ça, tu t'inquiètes, faut pas t'inquiéter, je vais bien. » Qu'est-ce qu'elle vous reprochait ? De la chercher. Je veux être émancipée, laisse-moi tranquille. Je veux faire ma vie. Mais à 15 ans, on ne fait pas sa vie à 15 ans. On ne peut pas faire sa vie à 15 ans. Il y a des règles à suivre. Morgane en veut vraiment à sa mère depuis qu'elle a dénoncé à la police un de ses amis, Kevin, chez qui elle s'est cachée lors de sa dernière fugue. C'est en surfant sur Internet que Lilou avait réussi à localiser le jeune homme de 22 ans.
les gendarmes ont débarqué, Morgane fut ramenée de force à son foyer. Mais l'adolescente n'y est pas restée bien longtemps. Jeudi matin, le foyer m'a rappelé pour me dire qu'elle était repartie en passant par la fenêtre. Voilà. C'est révoltant. C'est clair. Lilou est persuadée que sa fille est retournée vivre chez Kevin. Elle harcèle les gendarmes pour savoir s'ils ont enquêté. Oui, allô. Oui, bonjour monsieur, je suis madame Morgane, la maman de Morgane. Oui, bonjour. Je viens aux nouvelles pour savoir si vous aviez refait des investigations chez Kevin. Et donc je voudrais savoir où ça en est en fait. Bah, ça a été fait ça, mais elle n'a pas été trouvée chez lui. Elle n'a pas été trouvée chez lui. Et donc, et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se met en place, s'il vous plaît? Je peux pas vous en dire plus, quoi. Ce matin, je suis rentrée de repos, là, donc je vois qu'elle est pas rentrée. J'ai appelé le centre un peu pour savoir s'ils n'avaient pas des nouvelles ou quoi, voir si même par rapport... J'ai pas encore eu de réponse, ça se trouve, par rapport aux jeunes, je sais pas du tout. Moi. D'accord, vous savez pas. Bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée, monsieur. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Si j'appelle pas, on m'appelle pas. Et quand j'appelle, je dérange. Parce que même le gendarme reste sur la défensive. C'est pas de notre faute, mais en aucun cas, je dis que c'est de sa faute. Je veux juste des nouvelles. Vous en avez? Non. Pourquoi vous en avez pas? Et vous avez que cette piste-là? Bah oui, on a que cette piste-là. Bah ouais, bah super. Lilou n'est pas convaincue. Même si les gendarmes n'ont pas trouvé Morgane chez Kevin, elle est persuadée que sa fille s'y cache encore. Direction, le quartier du jeune homme, où elle veut faire le tour des commerçants avec la photo de sa fille. Elle espère bien récupérer quelques informations et peut-être tomber sur Morgane par hasard. Quand on est en fugue et qu'on veut échapper à la police, je pense qu'on évite de sortir la journée, justement. Mais si bien, elle a besoin de manger, donc elle va peut-être aller chercher un bout de pain. Lilou commence par un endroit stratégique pour les jeunes, le bar tabac. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un ? Oui, ma fille, ça fait 7 mois qu'elle est en fugue. Si vous la croisez, simplement, ne lui courez pas après, ne cherchez pas à lui parler. Donc de toute façon, on appelle un de ces numéros-là. Voilà, donc c'est les gendarmes. Donc, simplement, leur passe un coup de fil. On a vu passer la jeune Morgane à telle heure, point. Parce qu'elle a été arrêtée mercredi chez un jeune, ici, là. La gendarmerie a débarqué chez le gamin, enfin le gamin a 22 ans. Hein. Et j'arrive pas à trouver son adresse exacte. Je sais que c'est dans la rue, pas très loin de la boulangerie. Le piercing, ça me dit quelque chose, mais... Là, elle a le même que moi, mais là. Donc, de toute façon, on appelle un de ces numéros-là. Voilà, merci, au revoir. Au revoir. À peine sortie du café, Lilou va avoir de la chance. Elle reconnaît Kevin qui s'avance. Kevin, je crois que c'est Kevin. Je crois que c'est Kevin. Ouais, je crois. Elle attend tranquillement qu'il s'approche. Kevin ? Tu sais qui je suis ? Ouais, la maman de Morgane. Voilà, ouais. Le nouveau en fugue ? Ouais, je suis ça, ouais. Les gendarmes sont passés chez moi hier. Ils sont passés chez toi hier, d'accord. Ouais. Donc là, je te dis tout de suite, j'ai déposé plainte contre toi. Donc maintenant, tu le sais. Si elle vient toquer à ta porte, elle est là-bas. C'est bien Morgane qui s'enfuit dès qu'elle voit sa mère. C'est quoi ? C'est quoi ? Tu me racontes encore des balours ? Elle est là, ma gamine. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? T'oses me dire qu'elle est pas là et elle est là ? Tu veux que je te fasse la misère ? Tu veux que je te fasse la misère ? Il y a des témoins, je sors ici. Arrête de me prendre pour une conne, Kelly. C'est quoi ? L'adolescente arrive à la rescousse de son amie. C'est quoi ? J'étais pas chez lui, arrêtez comme ça. Et tu fais quoi ? D'aller chez lui alors qu'il y a les gars qui vont passer chez lui tous les jours, tu réfléchis à quoi ? Je le vois de maintenant et toi tu débarques ici ? T'as son chavert, venant ici, j'allais te trouver. Je pouvais te trouver que en bas de chez Kevin. Mais je suis pas chez lui, t'arrêtes tes conneries un peu, je viens de la basse ville. Tu déconnes ou quoi toi ? Ouais, c'est cela. Bah oui, donc, c'est ça. Tu sais quoi ? Là, j'appelle tout de suite les flics, t'es sûr que elle m'a te fait embarquer. Ouais, c'est ça, t'es au fou toi. Bah vas-y. Appelle les flics, vas-y, appelle les flics. Voilà, c'est ma fille, voilà. Kevin, et hop, elle surgit. Putain, j'étais pas chez lui, va chez lui, y a pas mes affaires, arrête de me casser les couilles un peu. Putain, j'hallucine. De toute façon, je te laisserai jamais faire ta vie, Morgane, t'es mineure. Oh, ta gueule, c'est bon. Depuis le placement de sa fille, Lilou a perdu son droit de garde. Pour la ramener au foyer, elle est obligée de passer par les gendarmes. Oui, bonjour monsieur, je vous informe que ma fille, elle est à la boulangerie pâtisserie. Je viens de la croiser ici, là, à l'instant. J'ai croisé Kevin juste 2 minutes avant. Et comme par hasard, ma fille, elle surgit. Donc là, je suis devant la boulangerie, elle est devant la boulangerie. Donc il faut emmener une patrouille tout de suite, s'il vous plaît, et qu'elle soit ramenée à son foyer. Voilà. Merci. Voilà, comment on se retrouve à chaque fois. Voilà, la violence. Aucun respect, rien. Mais arrête de foutre un peu d'anesthésie, mais là, maman, arrête, tu fais pitié.
C'est toi qui fais pitié, Morgane, sur ce coup-là. C'est toi qui passes pour une hystérique ici, c'est pas moi. Moi, je suis juste une mère qui cherche sa fille depuis 7 mois. Et à chaque fois, je la retrouve au même endroit. Morgane, c'est la juge qui a décidé. La juge, elle a décidé un truc, c'est comme ça, c'est la loi. Et voici, t'as 15 ans, t'es sujet une juge, c'est comme ça la vie. Pas de chance. Et tu me parles pas comme ça, Morgane. Je reste ta mère. Tu restes ma mère, pardon, toi, ma mère. Alors là, bah, putain, t'as craqué, t'es plus ma mère depuis très longtemps, hein. Depuis très longtemps, t'es plus ma daronne. Parce que toi, la seule chose que tu sais faire, c'est me mettre au foyer. Pourquoi? Oh, mais ma Morgane, ça va savoir les choses. C'est très bien que je fais tout le temps. Je fuis tout le temps. Oui, je le dis pour la caméra, en foyer, je fuis tout le temps. Je suis sa mère, elle est en fugue, oui. Morgane en veut à sa mère pour une situation qu'elle n'a manifestement pas choisie. Tu sais quoi, je vais te dire, déjà, t'as 15 ans, écoute les gendarmes, ça serait mieux que t'écoutes. Ils vont t'embarquer, ça va mal se passer. J'en ai marre de toi, c'est bon, t'es content, je le dis devant tous les gens. Bon alors. Je pense que pour l'instant, le dialogue, c'est pas la peine. Mais de toute façon, c'est plus la peine, ça fait 7 mois que c'est plus la peine, donc. Mère et fille n'ont pu échanger que des cris. Lilou pense que toute cette violence cache un appel au secours pour qu'elle la sorte du foyer. Pourquoi elle est restée? La police, elle m'a vu téléphoner à la gendarmerie. Pourquoi elle a attendu? C'est que maman aide-moi, c'est aussi maman aide-moi. Il y a ça aussi. Mais voilà, elle est ramenée au foyer. Et d'ici demain ou ce soir, on m'appellera pour me dire qu'elle est repartie. Et demain, je serai encore là, en train de refaire ça. Et c'est encore un déchirement. Jusqu'à quand ça va continuer? En 7 mois de foyer, Morgane a fugué une dizaine de fois. Le scénario est toujours le même. Les gendarmes l'y reconduisent et elle s'enfuit à nouveau. En caméra cachée, nous nous sommes rendus dans l'un de ces foyers. Je voudrais parler à quelqu'un du foyer, un responsable ou... Ma chef de service est partie en formation, elle ne reviendra pas. Le directeur est sur terre. D'accord. Je suis tout seul là dans les locaux. D'accord. Bon. Ici vivent 9 mineurs de moins de 15 ans et une seule éducatrice est présente. Nous lui expliquons que nous faisons un reportage sur le cas de Morgane. Morgane qui est en fugue depuis très longtemps, mais qui reste. Pas longtemps, elle passe de temps en temps par ici. Elle passe ici encore de temps en temps. Vous l'avez dit, il y a un mois. Et comment ça se passe quand elle repart, vous essayez pas de la garder? On est incapable, on va pas la tenir de force pour la garder avec nous. Et il n'y a pas moyen de l'enfermer le temps qu'elle redescende un peu, qu'elle entende raison, c'est pas possible. C'est violent quand même d'enfermer une jeune ici, c'est pas possible. Ouais, mais c'est violent qu'elle soit dehors depuis si longtemps. D'accord, mais elle refuse tout le contact, elle rend Et en fait, il faut que ça vienne d'elle, quoi. On peut pas l'obliger, pour la protéger, à rester quelque part. C'est compliqué. Si, normalement, si, c'est mineur, on va dire si. Mais la réalité des choses, c'est que non. Légalement, un éducateur ne peut pas contraindre physiquement un jeune mineur. Les fugues sont une réalité quotidienne. Nous avons retrouvé une amie de Morgane. Elle a pendant un moment partagé l'errance de la jeune fille. Elle nous explique à quel point il est facile de s'échapper de ce type de foyer. On essaye que les éducateurs soient occupés ou qu'ils soient partis quelque part. Et puis après, bah, on prend les escaliers, on prend la porte, le portail. Ils remarquent après et puis après, bah, ils appellent les gendarmes. Et donc c'est facile? Ça c'est facile, ouais. Il y en a qui vont par la fenêtre, mais bon, autant passer par la porte. Franchement, ils disent rien, quoi. C'est limite, on dirait qu'ils s'en foutent. La toute première semaine de fugue, je suis rentrée juste pour prendre une douche. Parce que récupérer quelques affaires, je suis reparti direct après, ils m'ont rien dit, quoi. Ils ont même pas essayé de m'enfermer quelque part, rien, pour pas que je parte. Pour cette adolescente, fuguer est presque un jeu. Elle ne perçoit absolument pas les risques qu'elle a pu courir. Bon, on nous dit toujours que c'est dangereux, mais perso, je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il y a de dangereux. J'essayais d'être accompagnée quand même, pas toute seule, parce que toute seule, on sait jamais ce qui peut arriver quand même. Et tu dormais où? Je dormais chez des personnes, bah, avec des personnes qui étaient avec Morgane. Quand on doit dormir dans la rue dehors, c'est plutôt qu'on dort pas de la nuit, en fait. On se repose peut-être une heure. Si on est deux, par exemple, une personne dort une heure, l'autre fait la garde. Et ainsi de suite. Enfin, faut s'assurer qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait pas de danger. Cette jeune fille a eu la chance de ne faire aucune mauvaise rencontre. Aujourd'hui, elle est retournée vivre dans sa famille. Tu gardes bien ton blouson fermé, chérie.
Depuis que Morgane a été ramenée au foyer, aucun éducateur n'a appelé sa mère pour lui donner de ses nouvelles. Ok. Pour rester, je puisse vous voir. Je répète, je suis désolée, mais c'est comme ça. Tu veux la corde à sauter ? Lilou continue de s'inquiéter. Pour elle, Morgane doit rapidement voir un psychologue. Elle est persuadée que sa fille va repartir en fugue. Je me dis souvent, je suis dans la quatrième dimension, je vais me réveiller, je dois faire un mauvais cauchemar et ça va s'arrêter à un moment ou à un autre. Mais j'espère juste que le jour où ça s'arrêtera, c'est pas quand elle sera morte. Morgane nécessite des soins, Morgane est marginalisée, Morgane se met en danger depuis des mois. Et elle est dans une bulle, elle est dans sa bulle et en aucun cas elle est dans la réalité. Ce soir, Morgane est à l'abri du danger, mais demain. Sa famille aimerait bien maintenant que tout cela s'arrête. Que l'adolescente réintègre le cocon familial pour les fêtes de fin d'année. T'auras envie de lui dire quoi à ta sœur ? Qu'elle revienne. Qu'elle fugue plus. T'es inquiète ? Non, je suis triste. Ça vous fait du mal d'entendre ça ? J'aime pas voir nos enfants tristes. Moi aussi, j'aime pas te voir triste. Je sais. T'es presque tout le temps triste. Mais je peux pas faire semblant. Donc c'est vrai que j'ai très peur pour Noël. Je veux un Noël. Un beau Noël. Mais est-ce qu'on va nous laisser faire ce joli Noël ? Je ne sais pas. Le lendemain, les éducateurs ont finalement rappelé Lilou. Pas pour lui donner une bonne nouvelle. L'adolescente s'est une fois de plus échappée. Lilou, elle, se prépare à passer son premier Noël sans Morgane. Depuis sa dernière fugue, il y a un mois, l'adolescente n'a donné aucun signe de vie. Elle a fermé ses comptes sur Internet. Lilou n'a plus aucun moyen de la contacter, ni même d'avoir de ses nouvelles. Est-ce que vous continuez à la chercher ? Non. Pourquoi ? Parce que rien n'est fait derrière. La preuve, la dernière fois, je l'ai retrouvée. Par hasard, certes, mais je l'ai retrouvée et le lendemain, elle était déjà repartie. Donc à quoi ça sert ? Tant que la juge n'aura pas revu son jugement et qu'elle ne m'aura pas rendu la garde, non, je ne la chercherai plus. Maintenant, Lilou a un nouveau combat. Sortir d'urgence sa fille du foyer et récupérer sa garde au tribunal. Ce droit, elle l'a perdu lorsque Morgane a été placée. Bonjour. Bonjour, maître. Lilou a pris un avocat, maître Gioia. Il va essayer de comprendre pourquoi cette maman a perdu son droit de garde alors qu'aucune maltraitance ne lui a été reprochée. Au départ, elle avait simplement demandé l'aide d'un éducateur. Quand vous avez un adolescent difficile, plutôt que de laisser courir, j'ai demandé de l'aide parce que j'y arrivais pas. Donc j'ai sollicité une aide éducative et ça s'est transformé en placement, j'ai rien compris. Voilà, un placement et en fait, c'est pas un placement, c'est une fuite. Si je résume, vous avez un souci ? Un gros souci éducatif. Vous vous adressez à un juge qui vous envoie à un organisme spécialisé qui, lui, s'avère être catastrophique. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation complètement hallucinante. C'est vous qui faites le boulot de l'organisme. Il faut reprendre, vous, les rênes. J'ai demandé à ce qu'on me rende. Voilà, mais maintenant, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ils veulent pas ? Non, mais ils veulent pas. Attendez, ils veulent pas. La qui ne veulent pas ? Quoi ? La juge ? Ah bah oui. Mais la juge, on va retourner la voir. Il y a quand même des éléments. Pour l'avocat, Lilou est simplement victime de la machine administrative. Mais le résultat est tragique. La jeune fille pense que sa mère s'est débarrassée d'elle en la plaçant en foyer. Lilou craint que toute cette histoire ait rompu définitivement le lien entre elles deux. Ça vous fait peur aujourd'hui de la récupérer ? Ben ouais, parce que c'est plus la même personne. C'est plus ma fille que j'avais quand ils me l'ont prise. Donc... Qu'est-ce qui va se passer, en fait ? L'avocat décide de passer à l'action immédiatement. Direction, le tribunal pour enfants. Il veut récupérer le dossier de Morgane. En moins de 20 minutes, maître Gioia obtient des informations étonnantes. Hallucinant. Alors voilà. En fait, le centre départemental d'action sociale alerte le juge aux enfants. Et il lui dit, madame, la situation de Morgane se révèle très inquiétante. La mesure de placement sous la forme actuelle n'est pas efficiente et ne permet pas de la protéger ni d'elle ni des autres. Aussi, il s'avère urgent
de réévoquer la situation. Par conséquent, je sollicite une audience. Donc, malgré les alertes des éducateurs, le juge n'a pas réagi et a décidé de maintenir Morgane dans son foyer. Je ne sais même plus quoi dire. Ça fait des mois que je dis qu'il y a un problème, mais... La prochaine fois que Lilou verra son avocat, ce sera au tribunal devant le juge pour lui réclamer sa fille.